Tu m'as un peu tout merdé l'aspirateur. Bon, arrête. T'as qu'on en racheter un. Tu sais, espèce de petite ordure, si tu me trompes, je te ferai des boulettes de légumes avec des verres pilés dedans. Le soir, quand tu dormiras, je te regarderai, je prendrai un oreiller, je te le poserai sur le visage et j'attendrai que t'étouffes. Je pisserai sur tes vêtements comme les animaux qui marquent leur territoire. Je pisserai partout, autour du lit, autour de la voiture. Je pisserai sur ta casquette. Comme ça, les autres femmes, elles sentiront l'odeur. Les femmes, elles sentent cette odeur entre elles. Et puis si un jour je sens une odeur de foufoune dans tes cheveux, je me rase tout entière et je te fais bouffer mes poils. Puis aussi, je t'agrafferai les couilles au matelas, ça t'apprendra à aller voir ailleurs. I'm waiting for the man, take one. Voilà, c'est chez moi. Allez-y, rentrez. Vous voulez prendre un bain? Un bain? Oui. Elle est bonne? Ça va. Vous faites quoi comme travail déjà? Je travaille dans la communication. Ah. Et vous faites du sport? Non. Ah, ça c'est pas bien. J'ai pas le temps. Pourtant c'est bon le sport. Oui. C'est un entraînement. Oui. C'est bien d'être musclé. Puis d'avoir du souffle. Ouais. Pour baiser, c'est vachement bien. Ça dépend, hein. Ben moi, je vous le dis. Vous voulez que je vous lave un peu? Oui. En ce moment, je suis un peu triste. Pourquoi? On n'est pas bien, là? Oh, si, si, mais c'est pas ça. C'est lui, il est toujours au téléphone. Je sais pas à qui le téléphone. Moi, ça m'inquiète. J'ai peur qu'il me quitte. Oh, ça arrive. Vous voulez pas me rejoindre? Non. Non. J'en ai pris déjà un ce matin. Tiens, regardez. C'est pas lui. Je l'avais quand j'étais petite. Vous pouvez jouer avec. Vous êtes bien? Ça va, c'est un peu. Je peux pas faire plus doucement. Merci. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Mais enfin, mais vous ne voulez pas longtemps, moi je tiens 1 minute 18. Ouais. C'est rien du tout ça. Ouais, mais moi je vous ai dit, je fais pas de sport, mais là on est. Je suis dans votre baignoire. Oui. On s'est rencontrés tout à l'heure et.
Et alors? Justement, qu'est-ce que vous croyez? Je crois rien. I'm waiting for the man. Take two. Thierry? Oui. Ça vous dit de prendre un bain? Vous êtes bien là? Ah ouais, super. Super, on serait peut-être mieux à deux, non? Oh, elle est bonne? Ah ouais. Elle est très très bonne. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Je suis dans l'informatique. Ah, et vous faites du sport? Pas trop, hein? Bah non, pas trop, non. Pourtant c'est bien le sport. Je vais vous laver. Sympa. C'est la crasse. Vous êtes toujours aussi présente avec tout le monde. Oui, c'est ça. Ouais. Je lave les cheveux. Ah ouais? Bon, je reste 1 minute 18. C'est quoi qui vous excite, vous? Enfin, vous êtes dans des plans bizarres, ou je veux dire... Parce que c'est pas drôle, quoi. Je vous ai dit, je fais pas de sport. Mais si. Non, je fais pas de... Des nanas bizarres, remarquez, j'en ai croisé. Hein. C'est pas ça. Mais je suis pas bizarre, mon frère. Mais je sais pas ce qu'il vous faut. Mais enfin, vous venez prendre un bain, vous trouvez ça, vous trouvez ça normal? Non, vous? Mais attendez, vous me faites halluciner. Vous acceptez de prendre un bain, vous ne connaissez pas. Vous trouvez ça normal? Qu'est-ce que vous vouliez? Vous trouvez pas que j'ai des jolis seins? J'ai des jolis seins? Certainement, ouais. Il doit les aimer, mes seins. Qui ça? Mon homme. Ah ben, je sais pas, faut peut-être lui poser la question. Enfin, s'il y a des choses que vous lui dites pas, enfin, si vous ne communiquez pas, c'est pas mon problème. Je veux dire, maintenant. Mais si on parle, mais il parle plus au téléphone. Ben ouais, mais je sais pas, ben appelez-le alors. Excusez-moi, je voulais pas vous... Vous êtes là? Vous êtes fâché? Vous avez une serviette? Quand un homme vient vers moi, je vais toujours vers lui. Je vais vers je ne sais quoi. Je marche dans ma nuit. Je cherche à t'oublier. Et c'est plus fort que moi. Je me fais déchirer. Je n'appartiens qu'à toi. Je n'oublierai jamais nous deux comme on s'aimait toutes les nuits, tous les jours. La belle histoire d'amour, la belle histoire d'amour. Pourquoi m'as-tu laissé? Je suis seule à pleurer, seul à chercher. Chaque fois, c'est pareil. Je fais cet effet dès le réveil. J'ai beau mettre des kilos de rimmel, voyant les gens crient, c'est irrationnel. Plus la nuit tombe, plus mes jupes se raccourcissent. Ce qui me vaut des ennuis avec la police. Mais j'ai des bons clients un peu partout. Les politiciens sautent tous sur mes genoux. Je suis une pute.
acteur transsexuel. Je deviens un phénomène culturel. Ce qui me vaut l'étonnement de bien sûr mes parents qui ne savaient pas quoi faire de moi une fois grand. Je suis une pute transsexuelle. Ne me dites pas il car je préfère entendre elle. Faire des pipes c'est plus gai que descendre à la mine. Vous pouvez faire tout de moi sauf une victime. Mon rêve ce serait d'avoir un mari et des enfants qui me pisseraient au lit. Un chat, des chiens, une voisine nymphomane dont je me taperais le mec, c'est ça le drame. Beaucoup d'hommes m'ont baisé dans le vide sur des dessus de lit polyamides. Mais il ne faut pas croire que parce que tu me niques tu m'abandonnes à ce sort merdique. Je suis une pute transsexuelle. Un jour un client me coupera en rondelles et on me retrouvera dans le coffre d'une voiture. Je ferai la une de toutes les couvertures. De malade qui m'est arrivé la dernière fois ici. Tu sais, il y avait une nana là, ça faisait un moment que je l'avais repérée. Elle passait et tout, un peu tous les jours et tout. Elle sympathisait avec elle, on s'est super bien entendu et tout, puis bon. Elle m'invite chez elle quoi. Bon, bien et tout. J'arrive, enfin on arrive quoi. Puis direct quoi, on entre, elle me dit. Vous voulez pas prendre un bain ? Elle était comment ? Ah, vachement mignonne, hein. Elle a les cheveux longs, mais vraiment longs, quoi, tu vois. Puis très, enfin, tu sais, angélique et tout. Bonarde, en plus, un bon discours, un bon esprit et tout. Vraiment super, quoi, tu vois. Ah. Elle a fait... Enfin, en plus, bon, enfin, c'était chaud, quoi, tu vois, et tout. Hein. Vous voulez pas prendre un bain, comme ça ? I'm a lot like you were. Oh man, look at my life. I'm a lot like you were. Thank you.
sur cette mer, sur un gros bateau que j'ai jamais vu et que je verrai jamais. Je sais qu'il y a mon Marco. Sentez bien que c'est un étrange bonheur. Là,
Ça fait une semaine que je suis sans nouvelles. Pas de coup de téléphone, pas de message. Alors, je suis venue, en direct. Tu veux monter boire un verre? Non, merci. Je sais bien que t'es avec quelqu'un. Mais je te demande de rien. Bon bah, à bientôt. Essaye de me donner des nouvelles. Un de ces jours. Ciao. Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind. Someone around you who will come. It's nothing at all. Sunday morning, Sunday morning, Sunday Ça y est, j'ai pris ma décision. Je m'en vais. Je pars. Je pars à New York. Parler, non? Tu t'en vas sur les traces de Jackie Kennedy. Je te dis ça parce qu'il y a un portrait de Jackie Kennedy derrière toi. Non. C'est bien. Moi, je te rejoins bientôt. Non. Tout de suite. Non. Je suis là tout le temps. Oui. Faut pas m'attendre. Faut m'attendre.
J'ai des nœuds dans la tête. Je l'ai vu ce matin, je lui ai dit que je partais. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Qu'il allait me rejoindre. Ben c'est bien. Je lui ai répondu non. Pourquoi tu lui as dit non d'abord ? Ben parce que je veux être seule. Je veux être seule pendant 6 mois, c'est pas compliqué. Ouais, mais t'as pas besoin de partir aux États-Unis pour être seule, non ? Enfin, je sais pas, enfin... Moi, je te dis de bien réfléchir, parce que regarde, il y a 10 ans en arrière, quand je l'ai quitté, je suis partie sur un coup de tête. Voilà, ça arrive, mais je me retrouve maintenant à le regretter, quoi, à mort, parce que vraiment, je me rends compte que c'est ce mec que j'aimais, etc., quoi, et que je pense que tu es en train de faire la même bêtise que moi, et voilà. Ben, tu me saoules. Eh ben voilà, ben je te saoule, hein, si tu veux. Tiens, c'est pas vrai. Eh oui. Tu vas bien ? Et toi ? Ça va ? Bah ouais, je passe par là et j'avais envie de m'arrêter. Dis donc, ça fait... 4 ans. C'est pas ça ? Pas mal de temps quand même. Alors, qu'est-ce que tu deviens ? Bah toujours pareil, ça continue. Sauf que je m'occupe de la culture maintenant, le journalisme. Tu as progressé et bien. Ouais. T'as bonne mine. Ouais, toi aussi. Merci. En fait, j'avais envie de te revoir. Ouais. T'es avec quelqu'un ? Ouais. Et... Tu devines pas, j'ai... Ouais. Je vais être papa. Ouais. Toi qui vas être papa. Ouais. Je ne voulais pas avoir de gosse. Ah oui, c'est arrivé comme ça, tu sais pas. Tu commandes pas, hein, ça arrive comme ça et puis. Ouais. Ouais. Je suis occupé. Oui. Mais. On peut voir un peu, peut-être, je sais pas. Sauf que j'ai pas beaucoup de temps. Ça me ferait plaisir de te revoir un peu plus souvent. Bon, tu habites toujours au même endroit ? Toujours. Tu peux changer. Bon. Écoute. Tu veux me voir un peu un jour ? Allez, pourquoi pas. C'est ça ? Bon, je vais te quitter alors. Je te souhaite bonne chance et puis voir. Mais je passerai te voir. Je passerai te voir. Bon. Ciao. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Mais arrête ! C'est grotesque. Je t'assure que c'est vraiment pas drôle, hein. C'est pas grave. C'est pas si, c'est grave. Pour moi, c'est grave. Ah, ça te fait rire, ouais, ça te fait rire. Moi, ça me fait pas rire, hein. Excuse-moi. Ouais, c'est ça. Tu es vraiment qu'un con, hein. Ouais, casse-toi. C'est ça, casse-toi. Tu feras 3 coups à ma porte.
C'était l'amour. Tu es parti. Maintenant je crève toute seule. Maintenant je crève toute seule. Oh, dis-moi que c'est pas vrai et que je vais me retourner. Que je peux, amour, dis-le, dire ton nom encore une fois. Rien. Elle m'a lavé, elle m'a filé un petit canard là et tout. Et elle m'a laissé dans la baignoire. J'ai halluciné. Je savais même plus où elle était, quoi. J'y tends, elle revient avec un pic à glace et tout. Et je suis resté une heure à l'attendre comme un con dans la baignoire. C'est un truc de malade, ça.